raison du règne de Goro en tant que grand champion de Mortal Kombat, les Shokan font partie des citoyens les plus élites d'Outre-Monde. Ils maintiennent un statut de classe élevé parmi la population et sont les soldats les plus prisés de Shao Kahn sur le champ de bataille. L'une des guerrières Shokan les plus sauvages à avoir attiré l'attention de l'empereur est la femme Shiva. Lorsque Shao Kahn a ressuscité la reine Sindel comme première étape de son invasion sur la Terre, il a nommé Shiva pour être son protecteur personnel. Shiva est devenue méfiante cependant, lorsque Kahn a nommé Motaro, un centaure, pour mener ses escouades d'extermination au combat. Elle a vu cela comme une insulte, car les Shokan et les centaures sont depuis longtemps des ennemis mortels. Elle a servi l'empereur dans Hearthrim, mais quand elle est revenue dans l'outre-monde, elle a été choquée d'apprendre que Shao Kahn avait trahi les Shokan et avait lancé une offensive sur eux. Shiva rejoint ses frères dans la lutte contre les guerriers de Kahn et a décidé de se venger de son ennemi juré, Motaro. Motaro, le fameux centaure. Et comme je l'ai dit, sa race est en froid avec les Shokan depuis la nuit des temps. Mais Shao Kahn privilégia les centaures pour être en tête de son équipe d'extermination, notamment lors de l'invasion du royaume de la Terre dans laquelle il assassinera Johnny Cage. Plus tard, il retrouvera le corps de Kenno, sévèrement blessé lors de son combat contre Sonya. Il l'emmena alors dans la forteresse de Shao Kahn, puis le soignera grâce à ses pouvoirs magiques, mais va l'enfermer juste après pour le punir suite à l'échec de sa mission. Par la suite, Shiva attaque Motaro et libère Kenno pour qu'il puisse l'aider à tuer Shao Kahn. Mais les centaures recevront une malédiction de la part des Shokan, les transformant en Minotaures. Bon, la vérité c'est juste que, à la base, c'est une question de soucis de programmation pour Mortal Kombat Armageddon. Après avoir appris la défaite de Goro aux mains de Liu Kang, Kintaro a juré de venger son camarade et d'écraser Liu Kang dans le Mortal Kombat. Il a tenté de prouver sa loyauté envers Shao Kahn lorsqu'il s'est rendu au royaume de la Terre avec une horde de Tarkatan pour vaincre Johnny Cage. Bien que l'attaque ait échoué en raison de l'intervention d'autres guerriers de la Terre, Kintaro a continué à servir Shao Kahn. Mais après que Chun Tsung ait de nouveau été vaincu par Liu Kang, Kintaro tentera une nouvelle fois de le défier. Dans la seconde timeline, il sera cette fois-ci sous les ordres de Shiva, devenue la reine des Shokan. Il se fera cependant décapiter par Sonya qui était sous l'emprise d'un maléfice d'Avik. Ashra est un démon du Netherrealm appartenant à la confrérie de l'ombre et créé par Quan Chi dans le but de servir le dieu ancien Shinnok. Mais un jour, elle se rebella, et pendant sa fugue, elle finit par trouver une épée divine nommée Kriss, avec laquelle elle peut éliminer les démons du Netherrealm. Et à chaque victime, son épée purifiait un peu plus son âme. C'est ainsi qu'elle continua son périple de chasse aux démons, mais aussi de vampires. Ce qui poussa Nitara à tenter de l'arrêter. Les deux femmes s'affrontent, mais c'est la vampire qui l'emporte, obligeant Ashra à se replier sur Edenya. Mais lorsqu'elle apprit l'existence du pouvoir de Blaze, elle le convoitera en rejoignant les forces de la lumière et cherchera à prendre sa revanche sur Nitara. Mais les deux rivales mourront dans la bataille de l'Armageddon. Nitara nous vient de Vertenus, le royaume des vampires qui est une partie annexe de l'outre-monde. Son but est d'aider son peuple, puis elle a pris l'existence d'une orbe qui pourrait libérer les royaumes conquis s'ils venaient à être détruits. Mais cette orbe se trouve dans une chambre volcanique remplie de lave, et seul un cyborg comme Syrax pourrait réussir à y accéder. Elle ira donc jusqu'à manipuler Reptile pour qu'il combatte et oblige Syrax à rapporter l'orbe à Nitara. Et sa tâche fut un succès. Nitara a détruit l'orbe, mais fut téléportée à Vertenus, où elle fera la découverte des cadavres de ses semblables, tués par une personne dotée d'une arme anti-vampire. Raiko est un ancien membre de la confrérie de l'ombre, et un personnage qui possède un certain goût pour la violence. Mais il semble que sa haine envers Quan Chi n'y soit pas étrangère. Lorsque Shinnok refait surface, Raiko se battra à ses côtés contre Raiden et les guerriers du royaume de la Terre. Et après la mort de son maître, Raiko travailla en tant que général pour Shao Kahn, mais nourrissait d'autres ambitions en secret. En effet, il fut aperçu en train d'essayer le casque de son empereur dans la salle du trône. La vérité, c'est qu'il projetait de prendre sa place. Mais plus tard, il rencontra Taven qui avait pour objectif de tuer Quan Chi. Cependant, Raiko fit passer sa mission de protéger les alliés de Shao
Shao Kahn avant tout. Taven le battra, mais il se consolera en se disant que sa défaite signifierait la mort imminente de Quan Chi. Taven, alors, son histoire est assez longue donc je vais abréger un peu, parce que j'ai un rencard moi après et je tiens pas vraiment à être en retard. Il est l'un des deux fils d'Argus, le dieu protecteur d'Edenia et de la déesse Delia. Mais alors qu'Argus voulait la mort des combattants, Delia, elle, souhaitait simplement l'annulation de leur pouvoir. Ils décidèrent alors de mettre en compétition leurs fils Taven et Daegon, qu'ils placeront en hibernation jusqu'au temps voulu. Quand Taven se réveilla, il fut envoyé au temple de son père par son dragon qui s'appelle Orin. Il finira par découvrir que son frère fut réveillé bien avant lui et aurait même assassiné leurs parents. C'est alors que Taven le cherchera et le combattra avant d'affronter Blaze pour déclencher son pouvoir. Mais rien ne se passa et sa quête fut un échec. Daegon, le deuxième fils, qui fut réveillé trop tôt, et ce par erreur due à son dragon Karo. Secoué par son réveil prématuré, il partit à la rencontre de ses parents pour découvrir la vraie nature de cette quête. Manipulé par Shinnok, à qui il était parti demander de l'aide, Daegon tuera ses parents, pensant qu'il favorisait Taven. Après cela, il deviendra le fondateur du clan du Dragon Rouge. En utilisant l'ADN de Karo, Daegon créa une nouvelle espèce de guerrier mi-dragon mi-homme, et utilisera le pouvoir de son dragon pour créer des portails inter-royaumes, lui facilitant ainsi la tâche. Finalement, la quête atteint son dénouement lorsque Taven et Daegon se firent face, et que Blaze les sépara avant qu'ils n'engagent leur combat. L'histoire de l'Outre-Monde est assez floue. On sait juste que son premier empereur connu est Onaga, le roi dragon. Sa soif de pouvoir était immense et il conquit de nombreux royaumes qu'il fusionna avec l'Outre-Monde. La puissance d'Onaga venait de son invincible armée et de sa capacité à ressusciter les morts. Il désirait également être immortel et pour cela, il demanda à ses sorciers de transférer son âme dans le dernier œuf de dragon existant. Cependant, il ne fallait pas confondre vie éternelle et invincibilité. Ce que Shao Kahn, le général des armées et conseiller d'Onaga, avait bien compris. Shao Kahn empoisonna Onaga et s'autoproclama nouvel empereur de l'Outre-Monde. Il modifia son armée, rendue mortelle depuis la mort de leur maître. Et pendant des millénaires, Shao Kahn régna sur l'Outre-Monde et poursuivit la conquête des royaumes. Et Onaga, quant à lui, fut oublié avec le temps, avant de faire son grand retour. Pour Shojinko, alors son histoire est assez longue aussi, donc je vous raconte juste les grandes lignes. Tout jeune, il fut choisi par les dieux qui vont lui envoyer un esprit du nom de Damachi, qui va lui donner pour mission d'aller chercher des artefacts divins, pouvant ouvrir un portail vers une autre dimension. Damachi lui insufflera le pouvoir de s'approprier les techniques des autres combattants rien qu'en les côtoyant. Il deviendra un vieux et sage guerrier durant ce long périple, et bénéficiera de l'enseignement de beaucoup de combattants, en particulier de Boraisho. Mais après 40 ans de recherche, Jujinko comprit qu'il avait été manipulé, car Damachi n'était autre en réalité que le roi dragon Onaga qui s'est servi de lui pour récupérer les artefacts à sa place pour procéder à sa résurrection. Jujinko sera alors pris de remords et cherchera tout de même à réparer son erreur en prenant sa revanche sur Shao Kahn, Onaga, Chansung et Quan Chi. Le tout avec un petit coup de main de la part de Taven.